Ça va, soyez la bienvenue. Eh ben voilà. On peut commencer? Oui, d'accord, oui. Ok. Ouais, si vous avez des questions à poser, allez-y, on va discuter, allez-y. Oui, mais surtout votre, oui, votre discours. Voilà. Aujourd'hui, l'Oasis de Gabès demande secours. On parle sur l'Oasis. Oasis, palmiers et source. C'est ça l'Oasis. Alors maintenant, les palmiers, ils vont disparaître tous les jours. Et personne qui remplace ces palmiers. Les sources, il n'y a plus de sources. Maintenant, que des pompages. Dans le temps, on a presque 350 litres seconde. Artisien, sans pompage, presque gratuit. Maintenant, presque la moitié du débit, mais ça coûte cher. En plus, il y a la sécheresse, manque de la pluie. Alors la nappe, presque tous les années, il y a un rabattement. On demande secours. L'Oasis, c'est le poumon, c'est l'oxygène, c'est tout l'Oasis. Et bien l'Oasis, si on abandonne l'Oasis, c'est fini pour Gabès. Pour dire sauver l'Oasis, c'est sauver Gabès. Voilà. Je m'appelle Aïcha, j'ai 23 ans et j'étudie chimie à l'université de Gabès. Mais je suis née ici, dans l'oasis de Chenani. Même si ma vie a suivi une autre voie, je suis très attachée à ce lieu. Et chaque fois que j'y reviens, je pense que c'est un petit coin de paradis sur terre. Aujourd'hui est un jour spécial pour mon oncle Salah. C'est son tour de recevoir l'eau. Il a attendu une longue période d'environ 40 jours et pendant ce temps, il s'est consacré à la préparation de son terrain. Pour distribuer l'eau dans les différentes sections, Salah utilise les techniques qui ont été transmises de génération en génération, ainsi que les méthodes de cultivation qui sont celles de nos ancêtres. Sa vitalité m'étonne. Si je pense qu'il a presque 70 ans, et dans les moments de pause, il se charge de faire le muezzin, c'est-à-dire celui qui appelle les fidèles à se réunir en prière. Les histoires que je connais sont les histoires de ma terre. Aujourd'hui, Chenani est un village où vivent 13 000 personnes. Les femmes se réunissent chaque semaine au souk. Ici, on vend les dattes, le henné, les grenades et beaucoup d'autres produits de l'oasis. Mais les choses changent. Au cours des dernières décennies, dans notre région s'est développée l'industrie des phosphates et celle du ciment. Je ne sais pas quoi penser. Il est vrai que les usines donnent des emplois pour beaucoup de monde. Mais en même temps,
L'eau, qui une fois alimentait les sources de Chnenni, maintenant est exploitée pour les industries. Ainsi, pour notre oasis, les problèmes ont commencé. الواحد يا سيدي محتاج المي عندنا مشكل في المي معناه هو اللي مضيعنا شوي ولا اذا كان المي موجود الواحد راهي ما فهمش ما عز منها الواحد متاعنا احنا من وانا في الصيف انا فما كل عندنا الرمان وعندنا البلح وعندنا مشماش وعندنا معناه عنب أنا موجود أنا الغلال كل موجودة 30 طرناطة نحو خوخ بالواحة هذه معناها في ظرف 3 أيام 30 طرناطة أي شيء كبير قبل إن شاء الله كل شيء لا لا سالت وضربت في الطريدة وراح واحد نحو واحد Mon beau-frère Kamel est un grand travailleur. En plus du suivi de sa parcelle qui produit henné et dattes, il a aussi des vaches. Deux ou trois fois par semaine, il travaille dans la station de compostage, où les déchets de la palmeraie sont utilisés pour produire des engrais naturels. C'est un type courageux. Bien que le travail ne lui donne pas grand-chose, il n'a pas envie de partir. Kamel, ainsi que mon oncle Salah, est membre d'une association d'habitants et agriculteurs de Chnenni. Ils se battent pour la commercialisation des fruits et légumes biologiques de Chnenni et pour la défense de notre oasis. C'est une lutte valeureuse et je les admire beaucoup. تو تقول له قبل معناها شنيني هذه جنه تقول جنه فشنيني جنه هكا ولا لا كان في السواق المي يمشي بالقديه تو السيمان هذا راهو ما يصلحش او الباب سواق السيمان هذه كثرت لنا الملوحه في الغيب انا ولت ملوحه فيها بكثره وقبل معناها فما حساب معناها تو وكان قبل خوخ هذا الحين كعب خوخ ايوه وين تو ما فماش خوخ وزاد كثر علينا التلوث منا بتاع البرد لا صحيح وتلوث بتاع معمل السيمان منين منا لا لا منا لا التلوث وهالمينا وهالحسابات يعملوا فيها والأدوية وهال لا صحيح قبل منا الخدمة بتاعنا ناتورال نزرعوا تجي الغلة لا دواء لا مينا لا كان بالغبار بركة أما المي ما من كثر من نقص المي حتى درانا هربت على الفلاح المي معناها على شهر 10 أيام وشهر 5 أيام وي بشري يعني سلال مش تجي ما تجيبش Beaucoup de jeunes préfèrent étudier dans la ville. Moi aussi, j'ai fait ce choix. Mon ami Saad voudrait bien vivre et travailler dans l'oasis, où il est né et a grandi, et où il garde ses moutons et quelques ruches. Jusqu'à maintenant, il a décidé de travailler en tant que chauffeur de taxi en ville. Chaque soir, à la fin de son travail, il va trouver Riva, qui a un café sur la plage de Gebes. La nuit, Saad et Riva rentrent à l'oasis pour dormir dans leur maison.
صور من هذه الصور انا احب الحاضر انا كل شيء حاضر شو بدي استنى منها غارس لها خضره ست شهور ولا قديش بدي استنى فيها ايش صور فيها في المدينة انا كنت يسمهم العام انا مش عام ما بعرف حسبتك تصدق قبل كانوا يعيشوا منها حتى كانت حلت زاد الدنيا متطلبات الحياه ياسر لذات شتينا نوتيل كومبوز دي تيتيلات شتينا اليمان كومبلي. Mohamed est l'un des agriculteurs les plus âgés de l'oasis. Il a une mémoire vive et il aime raconter. Ses souvenirs sont précieux pour moi, car ils représentent toute l'histoire de notre oasis. Avant le temps passé, on sème le tabac, les tomates aussi, les courgettes. Tout à ce temps-là, lorsque l'eau existe, toutes les cultures existent. On ne peut pas cultiver sans eau. S'il existe l'eau, ainsi, il faut aboutir de la génération du futur. Peut-être qu'elle peut le suivre. Je suis né en 1924. J'en ai 85. Ah. 85, c'est rien que ça. Mais l'esprit encore, il est brillant. C'est la vie. On a passé longtemps. Ça, c'est la vie des habitants de Chneni. C'est notre histoire et le temps dans lequel nous vivons. Nous, les jeunes, nous sommes projetés vers un avenir que nous ne pouvons pas voir clairement. Et nos vieux se sont engagés à défendre un patrimoine d'anciennes connaissances qui court le danger d'être perdu. Pour l'oasis de Chneni, c'est un temps suspendu.